Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fer, j'espère que vous allez bien les amis. Nous continuons encore et toujours Rock Tower. On avait réussi à voir le roi Oogie avec sa tonne d'armure. Et on avait pu tester surtout la Tesla. Du coup on retente de nouveau en single. Moi tant que je suis pas allé, tant qu'on n'a pas fait le roi Oogie, je crois qu'on fera du single. Sinon on partira sur du double. Bon, quelques upgrades supplémentaires ont été merde ajoutés. Tac, ça commence bien. Donc on commence avec plus d'or. Alors celui qui a le moins d'armure. Le moins de bouclier. Celui qui est proche, plus proche de la mort. Tac, tac. C'est fou comment ça va vite au début. J'avais oublié ce que c'était. Ah, le Shredder, El Famoso. Ah. Alors, à placer près de d'hôtels occultes pour découvrir des technologies perdues. Ah merde, ça posait à côté d'un truc. Ah, je pensais que c'était juste à poser comme ça. Shredder en plus 2 là, ce serait cool. Plus 3 c'est mieux quand même. Ça se sépare ici, très bien. Bon, l'armure va être emmerdante. Comme d'habitude. De ses dégâts, c'est en bleed. Très bien. Petit tour lance-flamme Tesla, ce serait cool. Faut que je mette Nirdef, faut que je mette Progress. J'ai comme une boulette. Ah, mortier, voilà, ça c'est cool. Putain, on aurait pu avoir la sorcellerie aussi qu'on n'a pas eu. Ah ouais, on a vraiment pas eu de chance. Oh, oh, on va avoir un portail qui se termine ici. Première fois depuis qu'on a repris qu'on va avoir une fin de portail. Ah oui, ça peut shooter un peu le Stark en plus. Pourtant, on était allé à 20 plus... Ouais, à 25, c'est là où il y a le boss. Et on n'avait jamais été jusqu'à un portail. Étonnamment. Tour lance-flamme. Balise plus 1 sur le bouclier. Ah, lance-flamme, c'est bien quand même. J'ai un spot de bâtard, c'est pour ça que je dis ça. Master Mordi Shield. Progress. Fastest, ouais, ce serait cool.
pense que progresser mieux. Ça tapera toujours celui qui est le plus devant. Je pense que c'est une bonne idée. Je continue d'investir dans les maisons et on en a pas beaucoup. J'aurais pu en mettre là en vrai. Après c'est combien là? C'est 12 d'or. Hein. C'est le nombre de niveaux. En vrai ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'il y a un point de spawn ici, donc en fait elles sont pas perdues. Et en plus c'est même récupéré sur le chemin final. Donc c'est plutôt une bonne maison, j'aurais dû foutre des balistes avant. J'ai trop attendu. Et je foutre un mortar qui couvre genre ici. J'ai pas assez d'or. Comme ça fait ligne droite finale. Et le chemin là-bas. Quand ils disent occult shrine, gêne de 1% par seconde, en gros bah c'est 1,2. Je vais plutôt prendre le mana siphon. J'ai vu ce qui s'est passé quand on l'avait pas ce truc là. C'était le drame. Hein. Faire place sur ce spot. Les mana siphon. Attends, ça donne pas le mana? 3 par seconde. 4 par seconde. Oh la baisse, parce qu'il est en hauteur, ça donne pas la mana. Oh la merde! C'était pas écrit dans les petites lignes ça. Évidemment, j'ai qu'une seule source de mana. Okay. Bon, n'empêche que c'est quand même mieux que tout à l'heure. Je sens la diff. On voit même plus l'ennemi. Le truc qui prend 1500 de brûlure. Je n'avais point vu qu'il y avait Oggy. Putain de merde, on est déjà au 15. Ah non, il va passer, je fais pas du tout assez de dégâts. Mais putain, quand je suis bien pour le late game, je foire Oggy quoi. Ah mais non, mais putain! Il passe totalement, quoi. Ah là là! Putain, mais c'est un pilier au gui à chaque fois, quoi. Mais non... Ah là 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 là. Bon, plus simple pour les balistes. Ah, c'est tout ce que je peux acheter contre l'armure, mais au moins c'est une upgrade
pour toujours, je sais qu'elle me servira. Parce que de toute façon, les balistes, t'en fais tout le temps, quoi qu'il arrive. Peu importe la run que tu fais. Ah putain, ça veut dire qu'il y a plein de fois j'avais pas besoin de construire des maisons et que j'aurais pu ne pas faire. Ah c'est ça, il considère que celle-là, elle a pas donné en... Elle protège pas, d'accord. Très bien. Souhaite. Mais la banque permet de générer de travers le marché de la magie, de la mana, très bien. Allez, lance-lame. Plus un vie. Bon, je vais prendre la mana banque. Ah, ça coûte 500! Oh là là! Bâtard, hein. Du petit level up. L'ASMR pour les oreilles, vraiment le son de la balise qui tire dans le jeu. Ton mortier. Ça c'est très bien. On est toujours sur un chemin, c'est fou. Dégâts des mortiers. Vraiment cool. Sérieux, c'est toujours un chemin? Putain, je m'attendais à une division depuis belle lurette là. Ah putain, je prends la mana banque et il me file une caisse comme ça, remplie de cristal de mana. Bande de chienne. Et je modère mes propos.
c'est sûr. Ah, c'est là. Il y a enfin une division, quoi. Oh, il y a de l'armure, ça va faire chier ça. Ouais, c'est bon, ça passe. Je sais vraiment pas comment je vais me démerder contre Ugi. Énorme ligne droite. Shredder. Ça change tout. Un joli spot à 3 en plus à exploiter. Je peux me faire plaisir.
C'est rare que j'ai la Tesla en place bien avant un lance-flamme ou avant le niveau 15 d'ailleurs. Franchement, je vois pas de point de vie qui monte, c'est juste moi qui. C'est dans ma tête. J'ai copié le... Mais attends, c'est de la merde ce que j'ai copié. Le shredder. C'est de la grosse merde ce que j'ai copié. Ah, oh, il a 3000 de bleed, s'il te plaît, crève. Palista plus un... Palista plus un shield. Oh, les ponks de mana. Ah, stock plus 15 de mana maximum. Ah, la mana banque, c'est peut-être pas si perdu que ça, parce que ça te permet de booster ta mana max. Après, c'était une tonne de siphon. Hein. Ouais. Pff. Ah, balise plus un shield, allez, vas-y. Université. Toutes les universités gagnent plus 1. C'est de... Est-ce que j'ai des tombes? Non. Juste les universités, j'ai strictement aucune putain d'idée de ce que ça fait. Ah voilà, et on me donne des tombes maintenant. Non mais sérieux quoi? Une banque de mana. C'est pas suffisant pour faire tourner mes deux bobines Tesla. Il a pété un peu de shield, mais une barre et demie, c'est pas assez quoi.
C'est quoi cette vitesse? Balise plus 1, elf. Ah, flamethrower. Je fais exprès de me taunter. Pas un seul siphon. Avec 6, ça devrait le faire. Oui, mana de siphon. On peut le faire. On peut le faire. Allez, enlève-moi tout ce shield. Tout de suite qu'on a le siphon. Avec les banques en plus, c'est cool. Ce qu'ils appellent les hôtels occultes, là ça me dit rien du tout. Dans les mines, je vais pas débloquer donc c'est normal. Oh mon dieu, ils peuvent se TP?
Oui, quand même. Parce que les tombes, c'est attaqué, d'accord. Ah, là, ça casse les chines. Ah, mais ils sortent de fantômes en... En 8 bits, là. Putain, la quantité de chips qu'ils ont. Putain, je crois qu'on a un bon truc. Oh, par contre, le boss... Oh, il a trop de shield. Ah, lui, il passe. Mille fois trop de chine. Oh, en vrai? Attends. Oh là là, ça c'est cancer. Faudra une mise à jour sur le cinéma. 25, c'est pas assez. En bas, qu'il se re-TP. Je pense qu'il meurt. Oh, génial. Research Breakthrough. Toutes les tours gagnent 5% de chance de crit. C'est génial! En plus, c'est aléatoire les endroits où ils TP. Ah, mais non, c'est quand ils perdent leur bouclier qu'ils TP. Oh, sa grosse magie. Bon, les machins occultes, je les attends encore.
pas encore vu d'Occult Shrine. Est-ce que c'est random? Pas trop mal. Mon hélice là, waouh! Sacrée quantité de chien. C'est ça, ce quand ils perdent leur chien. Les ennemis avec du shield et de l'armure. Vraiment. J'aurais dû garder l'or pour le Rogi. Ah putain, j'ai pas fait si long. Parce qu'il a une tonne d'armure. Est-ce qu'on va réussir à faire plus que le roi 25? Plus de Chine. C'est pas 25 le roi? Oh mon dieu, il est random le roi 25. Ok. Bon bah moi ça m'arrange. Ça m'arrange qu'il soit bouclier, je vais être honnête. Pas une phrase que je comptais dire dans ma vie un jour. Il a trop de boucliers lui. Ils ont monté ce coup de sang. Tax due, tax rate 40%. Tower help. Oula, je comprends pas tout.
Il régène du shield. Oh non. Allez, il passe. Oh non. Tellement hard. Même avec mes tours. Oh là là. Ok, bah c'est gelé hein. Putain, le niveau 25, c'est tellement un mur pour moi quoi. C'est impressionnant. Ouais, non, mais là il passe. Il passe, je peux rien faire du tout. Regarde-moi ça, j'ai pu enlever qu'une barre et demie. C'est encore un spawner. Ok, donc le 25 c'est un spawner quoi qu'il arrive. Oh, putain, nique sa race. Impressionnant. Je suis ébahi sur le Oggy 25. Il fait tellement peur. Je m'attendais tellement à celui avec de la rien. Mais là, la régène de shield. Wow quoi. Juste putain de wow. Bon, en vrai, Tesla c'est indispensable, non. Autant ah, merde, tu peux l'acheter que si t'as fait tout. Ah oh, oh là là. D'accord, je suis en train de voir la problématique. Deux upgrades. Hein. Parce qu'on aurait plus le choix dans les cartes d'upgrade et ça peut tout changer. Pareil, les ennemis qui donnent plus d'or, ça peut tout changer. Ok les amis, bon malheureusement c'est la fin de cet épisode de VOD. J'espère que épisode sur October vous aura plu. C'était la chaîne de Fire, je vous aime très très fort et je vous dis naturellement ciao à la prochaine.